J'ai attaqué le documentaire sur le gréviste. Ouais, mais là le gréviste il est malade et là, survie, le gréviste ne veut pas foutre la merde. Le gréviste, malgré quelques violences qui lui prennent les pas, est toujours d'un tempérament assez calme. Ça fait plaisir. Non, s'il vous plaît, ne filme pas d'ici. Et oui, le gréviste aime être populaire. Le gréviste aime se promener avec sa huguette. Huguette, hello. Voilà. J'ai mis un caillou. Un petit caillou que j'ai mis. Je t'ai dit de pas nous filmer, qu'est-ce que tu fais? Ah mais faut commencer par faire un plan d'ensemble du lycée là. Non. Non mais là on prend. Elle me dérange. Non. Picard. Voilà, on va revenir. Ah mais faut pas que tu parles là. Moi aussi si veux parler. Tu veux parler mais bon. Ça sert à rien ce qu'on fait là. Bah si, interview moi merde. Bah vas-y. Alors qu'est-ce que tu penses de cette manif? Bah là je trouve que c'est un peu parti en couille. Mais bon, je ne dirai rien. Ouais. On arrête de filmer. Arrête, arrête, arrête. Non, non, arrête, c'est filmé. C'est fini, là. Non, c'est... En plus, en vrai, il est sûr de filmer. Mais il pique, hein. Arrête. Alors, je voulais savoir, pour le bac, alors il y en a. C'est annulé demain, le bac blanc. Ça, pour les premières cinémas. Pas pour les premières cinémas. Théorie maintient le bac blanc. Quoi? Peur? Hein? Hé, je suis arrêté. Sur la balle. Demain, je vais m'aider. Demain je viendrai pas. Ouais, 1 euro pour les caddies, s'il te plaît. Les caddies. Après, bah ouais, après on verra. On va chercher les caddies, on met les palettes dedans. Vous allez chercher où? Un normand. Pourquoi on fait grève aujourd'hui? Aujourd'hui nous faisons grève pour protester contre la loi de l'égalité des chances, qui est un véritable cheval de Troie du gouvernement. C'est bien ça, s'il te plaît. Aussi contre le CNE et aussi pour faire pression, parce que bon, il faut savoir que cette loi donc, qui est prévue pour remplacer le CPE sera votée la semaine prochaine. Donc il faut, dans le cadre de tous les syndicalistes, appeler à faire pression jusqu'à cette date-là, donc il faut faire pression. Merci. Et vas-y, dis-moi pourquoi tu bloques. Je bloque jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la loi sur l'égalité des chances. Bonne réponse. Oui, parce qu'ils nous font chier. En fait, ils changent de nom, mais ils changent pas de... Ils changent pas de loi, ils nous prennent pour des cons, là, Villepin. Il va jarter, de toute façon. Ok. Ouais, bah, t'es pas venu? Ouais, tu manipules les gens, parce que... Mais si, parce que vous avez fait voter sur une situation qui était déjà caduque. C'est-à-dire que vous avez organisé ce vote, le CPE était déjà retiré. Non, vous avez fait... C'était à 10h15. Et moi, je sais que le vote, il a eu lieu dans ma classe, il a eu lieu dans ma classe. Situation qui est la loi sur les délais, on n'a pas à ce moment-là.
transi. Hein. Je crois que là vous êtes en train de délirer complet. Vous avez une situation sur laquelle vous avez gagné et vous n'avez pas encore la maturité politique pour savoir à quel moment il faut arrêter le combat avant d'avoir perdu. Mais qui c'est qui a le droit de prendre un revers? Donc personne ne peut se dire, personne ne l'a. C'est pas les gros cons de la droite ni les gros cons de la gauche qui l'ont. Sinon ça ferait longtemps qu'on se fait pas. C'est-à-dire que tu veux quoi? Non, pas anarchiste, mais bon, j'aimerais bien que ça soit autre chose que politique. Alors, quoi. Bah, c'est-à-dire que soit avec le discours que tu as, soit tu es un anarchiste, soit tu es un fasciste. C'est-à-dire que l'anti-parlementarisme, c'est. Non, mais si, gros con de droite ou gros con de gauche. Soit tu es anarchiste, soit tu es fasciste. Tu as dit ton corps. Bien, regardez les députés du Parlement. C'est comique. C'est pas du tout. C'est pas du tout comique. Bon, quand il y en a qui parle, c'est ton corps, tu applaudis. Et quand c'est pas ton corps, tu le siffles. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et bien, les rituels, il faut les virer. Mais là, c'est pas un rituel qu'on fait. Moi, je suis un rite de passage. Il faut se prouver qu'on est un rite de passage. Qu'on entre à l'âge adulte et pour ça, il faut un petit combat. Donc, c'est ce que vous faites. Vous avez votre rite de passage. Vous aussi, vous avez vos rites. Quel rite? Il n'y a pas de rite. Mais toutes les générations, tous les 3-4 ans, vous avez une manif étudiante ou lycéenne. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on veut montrer qu'on est grand, qu'on entre dans l'âge adulte. Je sais que je les fais aussi. Moi, c'était en 86. Donc, voilà, vous avez vos rites. Vous partez à l'attaque là d'un truc qui c'est Don Quichotte qui part en combat contre les moulins. À quelle heure vous votez demain? C'est quoi demander? On vote jeudi. Il y a des gamins qui veulent rentrer, donc on vote à midi. On a dit que le retrait se ferait à midi. Mais si, donc après on verra. Non mais votez, mais c'est pas parce qu'il y en a qui veulent faire grève que ceux qui veulent pas faire grève que ne puissent pas rentrer. Pourquoi vous faites le bloc légitimité là? Non mais vous bloquez, pourquoi vous bloquez? On a les deux tiers des voix là, de toute façon. Oui mais si le tiers qui veut aller en classe, pourquoi vous laissez pas aller en classe? Si vous avez décidé de faire, vous n'avez pas bloqué les lycées, vous n'avez pas bloqué l'entrée de trucs. Un blocage c'est quoi? Mais non mais c'est pas légal. C'est pas légal? Mais non. On laissera passer ce qui est examen. Tout ce qui est examen et professeur, on les laisse passer. Et il n'y aura aucune casse. Il n'y a que vous dans les roues. On a appelé Paul Valéry, on a appelé plein de trucs. Tu veux faire quoi pour nous laisser passer? Tu veux encore nous faire marcher à quatre pas? Tu sais, non. Moi, je suis pas dans le lycée, moi. Non. T'as vu la tête de compétent, quoi? Tu crois qu'on va faire quoi? On ne demande aucune violence. Mais tu vois, mais... c'est vous qui avez jeté des cailloux sur ceux qui veulent pas passer? Non, c'est pas vous. C'est Johan Mokela, si tu veux savoir. Tu veux savoir? C'est lui qui me l'a dit quand vous avez jeté des cailloux. Ah bah, c'est lui, sa fille, c'est ça. C'est lui qui fait sa fille. C'est lui qui fait sa fille. C'est vous, laissez-le entrer, il a examen. Johan Mokela? Mais non mais vous inquiétez pas, ça se passera dans l'ordre. Je vous demande juste un truc. Non, mais c'est vraiment les gens qui ont travaillé. Mais c'est 6 devant le lycée. Oui mais y'en a, ils sont tous avec nous, vous inquiétez pas, sinon ils auraient. Je pense pas. Attendez, vous marchez sur nous. On a fait un vote. Oui j'ai vu ça, j'ai mis le 17 contre 400. Voilà. Donc on a le droit, on a la majorité du lycée. Après ceux qui ont voté blanc, il faut pas qu'ils viennent râler. Ceci dit, vous passez ça pour ça pendant combien de temps? Maximum jusqu'à jeudi, maximum. Mais on demande juste un truc, qu'il n'y ait pas de violence, donc les mieux pour faire régner l'ordre, c'est vous. Je crois. Si vous me ça s'arrête très longtemps, je... Ouais, non, mais vous inquiétez pas, ça sera c'est... dans le calme et la discipline. Je pense pas, moi, à mon avis. À mon niveau, non. À mon niveau, ce sera accès, à mon avis. Nous verrons, monsieur. Tu viens nous aider? Je vous écoute. Alors, monsieur, parler à Juliette. Ça, c'est pas ça. Ouais, on essaie pas. J'ai vu un avocat. Le monsieur veut un avocat. On peut vous donner les droits d'auteur si vous voulez. T'as pris une carte aujourd'hui? Et en plus, t'as de la chance parce que tu filmes le plus beau et le plus intelligent et le plus fort. Ouais, maintenant, ouais. Je crois qu'il y a un petit quiproquo là. Donc, vous remarquerez quand même. Tu mettras dans la poubelle là-bas? Pas de ceinture. Ouais. Pas de ceinture, hein? Quand même? Ouais, quand même. 90€, 3 points. Hein? Et si je veux pas de ceinture? Là-bas, pas de ceinture. Tu sais que je porte pas de ceinture. En plus, il mange McDo. Non, c'est privé là, c'est privé. Mais je vous filme pas. En plus, il mange McDo. Je vais pas la poubelle. En plus, c'est du McDo, mais c'est n'importe quoi ça. Oh non! Alors faites quoi là? Roberto! Moi tu le fais. C'est inadmissible. Moi le fais.
photo là. Prends une photo. Le truc c'est que si je suis pas là, ça va partir en couille, tu vois. Et ça, ça m'enferme. Sœur de Carla Bruni. D'ailleurs, elle dort Carla Bruni, tiens, on va la réveiller. Attends, on va faire une interview en direct de Carla Bruni en chant. Malva, je t'ai réveillée. T'es ronchonne? Pas? Ah merde, elle est pas ronchonne. Ah. Moi j'ai dit oui. Tu veux que je dise quoi sur l'interview? Oui, nous allons plutôt interviewer Roberto. Roberto. Non, Roberto n'est pas d'accord. Roberto. Non, Roberto n'est pas d'accord. Le. Dis-le, le. Le. Portail automatique, c'est dans la tamère. Oh, Gauthier, ça va bien? Ça va bien, pas de problème. On va essayer de sortir l'examen. Ah ouais? J'ai passé un CD. Ah bah, si lui il l'a trouvé trop facile, il devrait l'avoir dans. Je devrais l'avoir avec un emmené. Bon, 5 euros l'entrée. Macho, macho, machistado, macho. Allez, vas-y, rapproche-toi de toi. Macho, macho, machistado, macho, macho. C'est toujours style. Le gréviste et le sandwich. Voilà. Sandwich à 4 en plus. Sandwich. Vous êtes 3. Untai. Where is Brian? Brian is in the kitchen. And where is Jenny, the sister Jenny, of Brian? The sister of Brian is in the bathroom. Oh, it's raining today. That's where is my umbrella. Let's go. Vas-y, raconte comment vous avez fait pour bloquer hier. Bon, comment on a fait pour bloquer hier? On a été chercher des planches là-bas, de la bonne volonté. On les a amenés là, on les a soulevés, hop, on les a mis. Et il est debout. Après, qu'est-ce qu'on a fait après, vous me direz-vous? Hop, on a fait un feu de camp, on a fait cuire des conserves et tout, normal, hop, hop, hop. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert les bouteilles. Hein, bouteille de vin qu'on a mis. Et après, on a fumé des pétards. Bon, coupez. Calez-vous, moi je vais essayer d'aller chercher le djembé. Aujourd'hui, ce magnifique accouplement. Made in Dorian. L'accouplement du djembé et de l'éléphant. D'élèves veulent aujourd'hui reprendre les cours et arrêter ce blocus qui ne maintenant ne sert plus vraiment à grand chose vu les problèmes. Il est sûr maintenant que la correction est
scène hier, on appelle quand même pas mal au déblocage. Et ce qui est quand même décevant, c'est que ici le FUEAD a mené jusqu'ici une action intelligente en organisant des convois. Et que depuis maintenant quelques jours, le blocus est fait alors que pas mal de lycées sont occupés, commencent à se débloquer. Donc il faudrait appeler un peu les élèves à la responsabilité et voir qu'à la fin de l'année, il y a le bac et que les études vont bientôt être finies. Il faut quand même penser à l'avenir. T'as dansé ? Voilà. Il y a 1400 élèves qui sont exprimés. Ouais. Et qu'il y en a 1000 qui ont décidé de bloquer. Les gens qui sont... On va dire ça, mais je ne sais pas si on le passera dans l'interview. Ouais. Le garçon, t'as dit quoi, toi sur de... Ouais, le temps, voilà. Donc, t'as dit quoi ? Ouais, voilà. Ouais, madame. T'as dit quoi ? J'ai dit que voilà quoi, voilà, les votes. Briser les accords. Et désormais, nous allons briser les nôtres. Nous ne nous laisserons pas faire. Qu'allons-nous faire ? On va les buter. On va tout saccager. Ok. Je pense que un bâtiment sera pris et personne ne sortira. C'est parti, ok ? Ok. Ouais. Ouais. Premièrement, on va mettre du chewing-gum dans les serrures de petits portillons là-bas derrière pour pas qu'on puisse les ouvrir avec la clé, mais il y a encore une ouverture électrique reliée avec un seul petit fil. Et là, ce seul petit fil, on va le couper, comme ça la porte-mêle sera bloquée. Voilà. Ok. Un gréviste coupé encore. Un bisou magique. Merci. Et oui, c'est la forêt de la les grévistes. Un bisou. Pas trop, oui, il est bien. Allez. Oh mon dieu! C'est qu'on voit rien. Ouais, bah ça. Mais si! Si, il faudra le retirer au montage. C'est vraiment bien que c'est comme une bolage dans la tronche. Never limit to my own, my own device. You never ever 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 told me lies. Nice, 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 the double in dice. Cause we got it, the magic dice. Rien. 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 Tu n'as rien dit. Rien. À moins qu'elle ait avec les mains. On va éviter avec. C'est super mal, mais allez, tout le monde bichit. Non, pas sur le site.